Alors, je m'appelle Andrés Gleixner. Moi, je suis chilien. Je suis arrivé en France il y a une vingtaine d'années. Et j'ai été élève de l'ESI donc il y a une quinzaine d'années. Je suis sorti en 2000. Donc, j'ai vu un petit peu entre les années 95 et 2000, j'ai vu arriver le numérique dans l'école. Au début, il y avait les Silicon Graphics et quelques Mac. C'était le tout début. Et à ce moment-là, ça m'a intéressé. J'ai vu Internet arriver aussi. J'ai vu que c'était un nouveau continent, qu'il y avait tout à faire. Et à l'époque, je me suis surtout intéressé à la partie Internet. Donc, quand je suis sorti de l'école, mon projet de diplôme, c'était un ordinateur qui était connecté. J'étais déjà dans les objets connectés à l'époque. Et j'ai vu ainsi arriver la fraiseuse numérique, mais je n'ai pas eu le temps de m'en servir. Et quand je suis sorti de l'école, donc j'ai continué sur ma lancée Internet. J'ai commencé en freelance pour faire des sites web pour des copains, etc. Petit à petit, je montais en compétences parce que j'étais à deux pieds joints dans les web. Et petit à petit, j'ai commencé à travailler pour des sociétés françaises. Mais j'avais des idées, j'avais des projets. Et j'ai décidé en 2004 de monter ma boîte avec un associé. Et on a commencé à faire des produits. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que ça m'a remis dans la fin de mes études où j'avais envie de tester justement les nouvelles techniques des fabrications, mais j'avais pas eu le temps. Donc je suis venu avec deux objectifs. Le premier, c'était connaître ou du moins survoler les nouvelles techniques et deux, faire un projet qui soit plus lié à l'objet et non pas 100% full web ou virtuel si vous voulez. Et du coup, je me suis lancé dans l'idée de faire ce que j'appelle un tirelire numérique, qui est une sorte d'objet symbolique qui va stocker des données à forte valeur ajoutée chez vous, en local. Et l'idée, c'est que c'est un disque dur qui va communiquer avec des sources d'informations. On va voir ces données bancaires, on va voir par exemple, des photos de famille, des informations qui ont une forte valeur personnelle. Et ça va être en local, ça va être chez soi, et ça va se synchroniser avec un service. Voilà. Donc l'idée, c'est de passer du virtuel, tout virtuel, à l'objet connecté et la dimension locale. Voilà.